nouveau vocabulaire de Cavalière, on va parler de quatre expressions qui permettent de savoir où on se situe par rapport à notre cheval et à nos figures, ainsi que des priorités. Donc c'est parti! Main droite, main gauche. Dans une carrière, on peut marcher dans deux sens, à main droite ou à main gauche. On fait la différence entre main droite et main gauche en fonction de quel mât est à l'intérieur de la carrière. Si c'est notre main droite, on va être à main droite. Si c'est notre main gauche, on sera à main gauche. Extérieur, intérieur. Extérieur, intérieur est un vocabulaire plus général qu'on peut utiliser comme droite ou gauche. Par exemple, on peut dire qu'on est à l'extérieur ou à l'intérieur d'une maison. Et bien c'est pareil. On peut parler de notre main à l'extérieur ou de notre main à l'intérieur d'un cercle. On peut aussi s'en servir pour parler de la position du cheval. En disant que notre cheval met son nez à l'extérieur de la carrière ou son nez à l'intérieur de la carrière. Dans ces cas-là, on ne précisera pas qu'on dit à l'extérieur ou à l'intérieur de la carrière. On dira juste « mets le nez de ton cheval à l'extérieur » ou « mets le nez de ton cheval à l'intérieur ». Maintenant, les priorités. Il y a trois priorités. Il y a les priorités à la piste, les priorités à l'allure supérieure et la priorité à main gauche. D'abord, la priorité à la piste. Si on a une figure, donc on était à l'ex, qu'on n'était plus sur la piste, c'est la personne qui est sur la piste qui est prioritaire à vous. Ensuite, si vous êtes tous les deux sur la piste, mais que vous êtes au galop, par exemple, et que quelqu'un est au trot, c'est vous prioritaire car vous avez l'allure supérieure. Mais c'est pareil entre le pas et le trot. Le trot étant une allure supérieure au pas. Ensuite, c'est priorité à main gauche. Si vous êtes tous les deux sur la piste et à des allures similaires, c'est la personne qui arrive à main gauche qui est prioritaire à la personne qui arrive à main droite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme tous les vocabulaires de Cavalière, j'espère qu'elle vous aura été utile, qu'elle sera compréhensible et que j'aurai réussi à bien vous l'expliquer. A bientôt dans une prochaine vidéo et n'hésite pas à vous abonner si vous voulez connaître la suite de notre jeu de la soirée. Salut !